Les animaux d'Australie vont te faire bobo. Sans assurance santé, tu vas crever. Les animaux dont tu ne pouvais même pas imaginer. Et t'en fais pas, tu seras rapatrié. La première bestiole à faire l'entrée dans notre top 10 est l'Atrax Robustus. Non, ce n'est pas un sort d'Harry Potter, c'est une araignée. Je déteste les araignées, je déteste ça, il y en avait partout en Australie, je détestais ça et je déteste encore ça. Et là, c'est une sorte de mygale toute velue. Vous savez où on la trouve? Fascinée, en pleine ville. C'est la deuxième araignée la plus dangereuse en Australie. Elle est quasiment immortelle, parce que même si vous voulez la noyer, la meuf, elle développe une petite bulle d'air qui lui permet de flotter et tenir 24 heures dans l'eau avant de crever. Numéro 9, The Great White Shark. Cet animal mesure jusqu'à 6-7 mètres de long. Il terrifie tous les surfeurs et nageurs de toutes les mers. Mais ne vous en faites pas, il n'y a que 5 morts par an, en moyenne. Et le grand requin blanc, on a eu la chance de l'observer avec toute l'équipe de ma première fois en Australie, au large de Port Lincoln, dans une cage en métal pendant 45 minutes. Ça fait peur, hein? Et oui, il n'est que numéro 9. Imaginez la suite. Numéro 8. On commence à grimper dans le classement, donc forcément on voit apparaître les serpents. Et celui-là, c'est le Tiger Snake. Il y en a à peu près partout en Australie, à part le nord. Ce serpent fait à peu près 2 mètres de long. Et vous savez quoi? S'il décide de vous attaquer, vous pouvez même pas le crever. Et ouais, c'est une espèce protégée, les gars. Si vous touchez un Tiger Snake, vous allez payer 7 500 $ d'amende et faire 18 mois de prison. Numéro 7, le Brown Snake. Il fait 2 mètres de long, est capable de dévorer une vache en quelques secondes et peut vous tuer également en quelques secondes. Dieu sait que je déteste les serpents. Et c'est le premier serpent qu'on a vu en Australie. Le fermier l'a tué à coup de pelle. Des gros bourrins australiens qui tuent un méga serpent. C'est le deuxième serpent le plus venimeux du monde. Il est en Australie, ça tombe bien. Number 6. On retrouve mes chers amis les araignées avec la Redback. Vous la connaissez tous, cette petite veuve noire avec une croix rouge sur le dos. C'est notre hantise à nous, pauvre pétiste. En effet, son venin est extrêmement violent, extrêmement douloureux, ne vous inquiétez pas, il y a un remède. Nous avons vécu une expérience extrêmement difficile avec la team de MPF Australie, assignée face à ce petit monstre d'un centimètre. On en avait juste sur le paillasson devant la porte d'entrée. Du coup, notre coloc irlandais a rien trouvé de mieux, c'est de les tuer avec un déo. Je vais faire un coulet. Merci. Ça marche pas. Numéro 5, il vit dans les mers. Au fond, il attend son heure pour bondir sur sa proie. Il est fait de rocs et de pierres et de pics. Je parle bien évidemment du poisson-pierre. Un petit poisson comme ça, tout minuscule, qui fait pas plus de 20 ou 25 cm. Mais qui est capable de vous tuer en quelques secondes. La piqûre d'une de ses épines peut vous provoquer un arrêt cardiaque. Et là, c'est la noix. C'est le poisson le plus venimeux du monde. Numéro 4, je vais vous parler d'une espèce sous-marine magnifique. La pieuvre aux anneaux bleus. C'est très très beau, ça fait que 15 cm, c'est très docile, ça vient jouer avec vous dans l'eau. Donc si vous la voyez, ne la touchez surtout pas. C'est la seule espèce pour laquelle nous n'avons pas l'antidote à son venin. Numéro 3, le féroce, l'incroyable, le gigantesque, aussi puissant sous l'eau que hors de l'eau, je parle bien sûr du crocodile. Il peut faire 7 mètres de long, il peut faire jusqu'à une tonne, il peut se déplacer à 30 km/h sous l'eau et qu'il a une pression avec ses mangeoires de 400 tonnes. Autant vous dire que vous ne survivrez pas. Heureusement pour vous, il vit principalement dans la région de Darwin où il est quasiment impossible de se baigner, même en mer. Oui, il peut vous croquer à n'importe quel moment. Du coup, avec l'équipe de ma première fois en Australie, on s'est dit que c'était pas mal de faire la cage de plexiglas plongée dans le bassin d'un crocodile. Oui. Pour retrouver l'image là. Numéro 2. Encore un serpent. Le serpent Taipan. Il fait plus de 2 mètres. C'est le serpent le plus dangereux au monde. Et il n'existe qu'en Australie, bien sûr. Une seule dose de son venin peut tuer 100 hommes adultes et 250 000 souris. On passe au numéro 1. Après avoir parlé des requins, des crocodiles, des serpents les plus venimeux, des araignées les plus venimeuses, des poissons les plus venimeux. The best of the world of the dangerosity of the world. Le koala, qui en mangeant des tonnes d'eucalyptus a développé le pet le plus acide du monde. C'est à cause de cette petite chose poilue, le trou dans la couche de
personne. Mais dis pas n'importe quoi, c'est trop mignon ça. Bon ok, ça va, je leur dis la vérité. The best of the best of the bestioles méga dangereuses of the world. La méduse. Et là, je déconne pas. La méduse boîte est l'animal le plus venimeux du monde. Avec ses tentacules filaires, il peut vous piquer. Et s'il vous pique, c'est l'arrêt cardiaque en quelques secondes. Du coup, c'est la noyade, du coup, vous êtes dead. Et ce qui est bien avec cette méduse, c'est que même quand elle est morte sur le bord de la mer, elle peut continuer à vous piquer avec ses tentacules. Donc faites gaffe quand vous nagez. Nous avons eu la chance, ou le malheur, de faire la connaissance de certains de ces spécimens quand on était en Australie. Alors si vous aussi, n'hésitez pas à nous raconter vos histoires en commentaire de cette vidéo. Si vous ne voulez pas qu'on vous glisse des petits traits de bac dans votre lit pendant la nuit, abonnez-vous et n'oubliez pas, la vie c'est avant tout l'équipe. Arrête de leur faire peur, Selim. Abonne-toi.